Bonjour, je me présente donc François Catlino, je suis responsable produit pour les matériels espace vert chez John Deere et je m'occupe également donc de la nouvelle gamme de Gator. J'ai l'honneur de vous présenter donc le nouveau modèle, un tout nouveau modèle XUV 835M. Donc c'est un nouveau modèle dans la gamme professionnelle. Donc ce nouveau modèle est motorisé donc par un moteur essence de 54 chevaux à injection électronique. Pourquoi on dit tout nouveau modèle ? Tout simplement, il y a la volonté d'avoir vous apporter beaucoup plus de confort. Comme vous pouvez le constater, on a donc une toute nouvelle cabine avec un système de porte et également un système de chauffage totalement intégré et monté d'usine. Autre point aussi important qu'on a voulu avec ce nouveau Gator, c'est vous apporter beaucoup plus de capacité de franchissement, également beaucoup plus de capacité de traction à l'arrière si vous voulez tracter à différents outils, mais également d'avoir beaucoup plus de charge utile. Autre point aussi important, comme vous pouvez le constater, donc vous avez une toute nouvelle face avant, c'est la nouvelle philosophie donc des nouveaux Gator XUV. D'accord. Retenez avant tout une chose, c'est que ce nouveau véhicule, c'est vraiment une philosophie professionnelle. Donc ce véhicule est totalement homologué bien sûr sur la route et vous êtes capable de rouler jusqu'à 60 km/h. Au niveau de la capacité de franchissement, c'est vraiment un véhicule professionnel avec une extrême capacité de franchissement. Pourquoi ? Tout simplement, c'est qu'on a augmenté l'amplitude des ressorts, donc des amortisseurs, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc toutes les roues sont indépendantes l'une par rapport à l'autre. Autre point aussi, et la grosse philosophie donc de chez John Deere avec les Gator, c'est d'avoir une transmission à variation continue, donc qui vous apporte beaucoup plus de capacité de traction et également c'est très simple d'utilisation avec un faible coût d'utilisation. Au niveau de la transmission, donc vous allez retrouver deux gammes, donc une gamme lente et une gamme rapide. Autre point important sur les Gator, vous allez avoir différents modes d'utilisation, d'accord, au niveau des franchissements. Soit vous êtes en deux roues motrices, plutôt pour une utilisation route, soit quatre roues motrices à la demande, c'est-à-dire que c'est le véhicule qui va gérer automatiquement, en fonction du taux de patinage à l'arrière, l'enclenchement du pont avant, mais également du blocage du différentiel avant. Si vous êtes vraiment dans les conditions extrêmes, vous avez la possibilité dans ce cas-là de sélectionner ou de bloquer le blocage du différentiel arrière. L'intérêt de ce véhicule, comme vous pouvez le voir, c'est la présence d'une benne, d'accord, une benne basculante d'un volume de 460 litres avec en matière totalement composite. Autre intérêt de cette benne, c'est que toutes les parois se démontent. Vous avez donc la possibilité d'avoir un plateau totalement plat. Autre point aussi important, c'est qu'à partir du poste de conduite, vous avez la possibilité donc de basculer la benne grâce à un système de bénage électrique. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de descendre du véhicule. D'accord ? Vous pouvez remarquer l'angle de bénage. Donc, quelles que soient les conditions d'utilisation ou quels que soient les matériaux. Autre intérêt aussi, c'est que vous pouvez constater donc l'accessibilité à la fois à la partie moteur, mais également à la partie transmission. Et là, vous pouvez voir toute la partie suspension de l'essieu arrière. Et après, vous pouvez également remarquer donc la suspension du train avant. Étant donné qu'on a un système donc d'avancement maintenant de 60 km/h et je le répète homologué route, tous ces véhicules bien sûr sont équipés de freins à disque hydraulique à l'avant, à l'arrière de type automobile. Vous allez bien sûr retrouver un système d'étrier de freins et de plaquettes de freins. D'accord ? On a un châssis hydroformé également sur ce matériel ? Exactement, donc en fait pour une question de fiabilité et de résistance à long terme, d'accord ? Donc vous avez un châssis monobloc, donc vous pouvez le constater ici, hein, monobloc, et sur lequel on a limité au maximum le nombre de soudures. Ainsi, pour éviter les points de rouille et une question de longévité à long terme.
Voilà. Au niveau de la transmission, vous nous disiez que c'est une transmission qui est très simple, elle est à variation continue. Exactement, donc là, la philosophie chez John Deere est pour l'ensemble de nos quads, donc on a une transmission à variation continue. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, c'est une courroie avec deux poulies. C'est une, donc, qui vous permet vraiment d'avoir une excellente réactivité. Et autre point aussi, c'est une question de simplicité d'utilisation et de longévité. Autre point aussi important, c'est que cette courroie et tout ce mécanisme est sous un carter étanche, encore une fois pour une question de fiabilité à long terme. Donc il y a peu d'entretien. Il y a très peu d'entretien, effectivement. Alors le véhicule est également pré-câblé, alors, d'origine. Oui, donc cette toute nouvelle gamme, donc XUV 835, 865, tout est pré-câblé, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 70 accessoires et tous les câbles sont montés d'usine. C'est-à-dire que votre concessionnaire pourra rapidement monter des phares, de gyrophares à l'avant et à l'arrière extrêmement rapidement. Il n'est pas besoin de rééquiper, de tirer un câble à partir de l'avant. Alors, au niveau des roues, il est possible d'avoir aussi bien des jantes en acier que des jantes en alu. Alors tout à fait, donc vous avez la possibilité déjà au niveau du véhicule d'avoir deux types de couleurs, soit vert ou jaune, ou olive et noir, comme vous voyez devant vous. En fonction de la couleur, vous avez également la possibilité de choisir différents types de couleurs au niveau des jantes. Soit des jantes en tôle, noire, ou après des jantes en alu, d'accord, qui vous permet d'avoir un aspect beaucoup plus racé. Alors, quel type d'utilisateur professionnel ciblez-vous avec ce nouveau Gator XUV 835M? Alors, la philosophie avec ce nouveau véhicule, c'est de toucher le maximum de clients. Et je dirais, il n'y a aucune limite en termes de segmentation. On veut vraiment toucher le maximum de clients. Bien sûr, en priorité, c'est les agriculteurs et éleveurs. Pourquoi? Parce que grâce à cette benne, on peut transporter une multitude de choses. Mais ça peut être aussi les collectivités, les golfs, les espaces verts. Bien sûr, ça peut être les industriels, les forestiers. Vraiment, il n'y a aucune limite en termes de segmentation. C'est pour tout le monde. Donc en résumé, un nouveau Gator à usage professionnel, fiable. Alors c'est grand. Effectivement, donc c'est vraiment ce nouveau véhicule, c'est d'avoir avant tout, je le répète, beaucoup plus de confort d'utilisation. Parce que vous allez retrouver un tout nouveau tableau de bord, d'accord, le même tableau de bord qu'un véhicule de tous les jours. Dernier point très important, la consommation de cet engin. Alors là, vous avez une consommation avec en version essence, vous avez une consommation de l'ordre de 4 litres heure et en diesel, vous êtes à moins de 2 litres heure. Donc c'est vraiment un produit très économique. Effectivement, là c'est vraiment l'autre gros point fort. C'est un très très faible coût d'utilisation. François Catolino, merci. Merci beaucoup.